Avec voilà, voilà. Abdou Diédou. Le ballon n'est pas fait. Il ne tourne derrière ce type. Ouais. Anneli Le Correa. Avec Lamine Diadou. Il perd le ballon. Récupéré par le mouvement. J'aime toujours rappeler hein, que nous avons un imam de notre côté là, Abdoulaye Gassama. Abdoulaye Gassama, hein? Bonsoir Abdoulaye. Le premier corner de Dakar Sacré, attention! Et c'est ton ballon. Qu'est-ce qui... Ouais. C'est bien tiré, attention! Et c'est avec ce numéro 14, Maïgaï! Attention! Anthony Le Correa! Il va mettre ce ballon en tour! Voilà! Et c'est un coup franc avec Pierre Benoît au Bialanda. Voilà. Et c'est le premier corner de Jou. Après de Jou. 7 minutes de jeu. Le ballon du célèbre. Sur une tête de Dakar Sacré Cœur. Abdoulaye Diédou. Attention, Madou, bien joué. Et c'est Pierre Benoît avec Aimé. Bien joué, Andrew Le Correa avec Lamine Diadou. Bien joué, Lamy. Le temps n'est pas fini. Attention, bien joué. Et c'est Pierre Benoît au Diamanga. Bien joué avec Aimé. Aimé. Attention, Babacar finalement. Avec Gil Saïda. Au profit. Comment tu parles? On attaque pas le ballon. Comment tu parles? Tu vas jouer avec Elas Maligay. Attention, il va centrer le centre. Heureusement, il touche. Attention, bien joué. Et c'est Abdou Diédou. Avec ton ami Diadou. Bien joué. Avec ce numéro 4, Amadou Ndong. C'est un cadeau pour le gardien. Et c'est Babacar qui va chercher ce ballon. Il a pressé une tête. Il va laisser le soin à Boukari Gaye. Il est à la 12e minute de jeu. 43-0 Dakar Sacré Cœur. Voilà, Attention, aimez. 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 Attention, aimez.
Thank you.
Depuis le début de ce championnat, je ne me rappelle pas quand est-ce que l'équipe va perdre. Et ce sont les Dakarois, attention, avec Val. Le ballon. Bien joué, c'est un ballon qui ne sort pas. Un ballon de. Voilà, Aimé qui protège ce ballon. Abdou, Lamine Diadou. Voilà, bien joué. Et c'est Aimé, qui perd ce ballon, Aimé. Et ce sont les Dakarois. Le ballon qui ne sort pas. Bien joué. C'est un peu de temps. Après,
la 74e minute certainement. Ah oui. Ah oui. Je réponds à des questions ou je parle du match? Je réponds à des questions ou je parle? Ok. Je suis prêt. Donc David Lauberti, directeur sportif du Dakar Sacré-Cœur. Le score est lourd, mais il reflète la différence qu'il y avait cet après-midi entre les deux équipes. Une équipe mature, agressive, sûre de son football, en confiance. Et une équipe avec des jeunes joueurs qui n'est pas dans une bonne période, qui doute un peu, qui est un peu fébrile. Et à partir du moment où on a concédé l'ouverture du score, c'est devenu très difficile. Le public a poussé son équipe, on a vu que voilà, ils étaient dangereux pratiquement à chaque situation, et nous on a manqué de caractère, on est très très jeune, donc on manque un petit peu de leader, et plutôt que de réagir, on a baissé la tête, et le deuxième but juste avant la mi-temps, le troisième juste après, ben voilà, on scellait le score du match. Donc voilà, c'est une victoire qui est très difficile, vous en doutez, pour nous, parce que c'est la première fois jusqu'à il y a 15 jours, on avait perdu par un but d'écart maximum. Là, on vient de prendre 3-0 à Pékin, 5-0 aujourd'hui, donc ça fait beaucoup. Mais voilà, on veut laisser le club en Ligue 1. Il y a des jeunes joueurs à gros potentiel, ils ont besoin d'être encadrés. Et actuellement, on a quelques absents sur des cadres qui nous feraient du bien. Mais voilà, le championnat est pas fini. Ce match-là, il est fini. C'est pas l'issue qu'on voulait.
Mais il reste 6 matchs devant nous et maintenant on ne peut que se projeter sur ces 6 derniers matchs pour bien finir la saison et renouveler notre bail en Ligue 1. Malgré la lourdeur du score, nous avons vu un très bon comportement, pas d'énervement de votre équipe. Qu'est-ce que vous pouvez expliquer? Je vous dis, on manque un peu de caractère, donc moi j'aimerais bien qu'ils se mettent un peu plus en colère. J'ai essayé de les piquer, de les toucher dans leur orgueil à la mi-temps parce que oui, tout le monde aime bien jouer contre nous, parce qu'on joue bien, on essaie de repartir derrière. Mais à un moment donné, la compétition, c'est pas que ça, quoi. Il faut du mental. Et l'équipe adverse, elle en avait beaucoup plus que nous. Il faut préparer les joueurs à la Ligue 1, c'est ce qu'on fait. Pour ça, il faut qu'au niveau du mental, du caractère, on soit beaucoup, beaucoup plus fortes. Les qualités, ça suffit pas dans le football. Donc se reposer sur quelques qualités ou un peu de talent, ça fera pas avancer le club et ça fera pas avancer les joueurs individuellement. Donc sur le plan mental et sur le plan de la détermination, il faut qu'on se remette en question très très vite et ça va être le cas dans les prochains jours, moi le premier. Vous parlez Ola? Pas du tout. Deux, trois mots, mais ça ne va pas vous aider. David. Moi, je m'appelle Ethan Junior et maintenant. Oui, Inas. Bonjour à tout le monde. Je m'appelle Ethan Junior et maintenant. Ok, je m'appelle. Bana. Voilà, présentez-vous. Ok, je m'appelle Ethan Junior et maintenant. Joueur cadastre, milieu de terrain, milieu offensif. Vous avez réalisé aujourd'hui un très bon match. Vos impressions par rapport justement à votre prestation? Oui, bon, je remercie le public qui est derrière nous, bon, qui nous donne la force. Oui, je suis content pour cette victoire, car c'est une motivation pour le championnat, parce qu'il reste encore des matchs. Oui. Qu'est-ce qui a changé dans le mental? Si, bon, la victoire a beaucoup changé, parce que il ne reste quelques matchs. On a la confiance que si on redouble l'effort, bon, on peut arriver sur le podium. Et c'est votre objectif? Oui. Arriver sur le podium? Oui. On vous attribue les deux buts aujourd'hui, un doublé, c'est votre premier doublé avec le Cadastre. Oui, oui. Comment ça a été? Comment est-ce que vous l'avez vu? Bon, j'avais la confiance, je savais que j'allais marquer. Vous avez tiré à trois fois vers le but, ouais. Sur la barre, le gardien a arrêté, le troisième est entré. Ouais. Aujourd'hui, ça a été le consigne du prochain. Oui, si, si. C'est le consigne de frapper sur le but, il faut tenter. Par rapport aux autres matchs, bon, je jouais la collective, mais ça ne marchait pas, car aujourd'hui, j'ai tenté. Et frappé sur le but. Oui, match, c'est la motivation. Parce que nous avons fait le podium. C'est notre objectif. Nous avons gagné le match, nous avons fait le moral. Nous avons fait confiance, nous avons fait le match. Nous avons fait 3 premières. Comment vous changez cette victoire dans le match? Parce que nous avons fait le match. Nous avons fait l'effort et l'équipe de son canam. Nous avons fait le par rapport à ce match, nous avons fait le canam. Si nous avons fait le canam, nous avons fait le canam. Nous avons fait le canam. Le match qui est venu à Seneps, nous avons gagné à l'essai. Si nous avons gagné, nous avons gagné. Tu as fait le double de la tête? Oui, j'ai fait moral. Parce que les matchs, je ne suis pas venu à l'essai. Je suis venu à l'essai carrément. Je suis venu à l'essai. Le dernier tour qui gagne? Oui. Toujours, j'ai confiance que je suis venu à l'essai. Et puis, c'est ça. Ok. Ok, merci beaucoup. Tu parles mon fils. Bon, d'abord, il faut féliciter les joueurs parce qu'ils se sont donnés à fond et ils en avaient envie parce qu'ils ont trouvé qu'on tend vers la fin du championnat et qu'il fallait se faire voir, il fallait se faire respecter
et je pense qu'ils l'ont fait, donc il faut les féliciter. Maintenant, par rapport au contenu, nous pensons que il y a des choses aussi à perfectionner, parce que les 5 premières minutes, l'adversaire avait le monopole du ballon. Et dans un football à domicile, il faut tout faire pour être dans le match dès les premières minutes. Parce que si l'adversaire avait marqué dès les 5 minutes, ça allait être difficile. C'est pourquoi on les félicite, mais aussi on doit continuer le travail pour qu'on puisse démarrer les matchs très bien dès les premières minutes. Qu'est-ce qui a changé dans le mental? On a vu une autre équipe aujourd'hui. Bon, je pense que c'est depuis presque 5 matchs que nous avons vu une autre équipe du Casasport. Aujourd'hui, le discours, c'était ce n'est plus de faire de bons matchs, c'est de gagner les matchs. Et c'est sur ça qu'on a insisté. Et nous avons vu que les jeunes, les joueurs ont respecté cela parce qu'ils se sont dit que ce n'est pas le moment de faire de bons matchs. Ils ont fait des matchs nuls. On est pratiquement les champions des matchs nuls. Et qu'aujourd'hui, il fallait tout faire pour gagner et chercher encore à gagner d'autres matchs. Je pense que c'est sur le plan qu'on les a vraiment heurtés. Et vraiment, ça a donné un résultat positif aujourd'hui. En fait, les perspectives sont toujours les mêmes. Parce que le Casasport, son objectif, c'est d'être au niveau du tableau. Et lors de la phase retour, on s'était dit qu'il fallait relever le niveau de l'équipe. Il fallait se battre, il fallait être engagé, il fallait avoir de l'envie. Et ce qu'on est en train de voir lors de ces derniers matchs, et je pense que nous allons continuer à avoir cette envie-là et avoir cet engagement-là pour terminer fort le championnat. Oui, l'objectif reste et demeure d'être sur le podium. Et je pense que jusque-là, c'est possible d'être sur le podium. Et nous allons continuer à travailler pour être à ce niveau-là. Parce que quand l'administration fixe un objectif, je pense que nous, notre travail, c'est de tout faire pour atteindre ces objectifs-là. Maintenant, après, on va attendre et écouter l'administration. Oui, effectivement, c'est ce qu'on nous a toujours dit, que tout le monde est décisif et chacun avait cette capacité de marquer des buts. Mais à un certain moment, il n'y croyait pas tellement. Je pense que nous devons continuer encore le travail sur le point de vue mental pour qu'ils puissent comprendre et accepter et croire qu'ils sont capables de marquer aussi des buts et de faire avancer l'équipe. Donc le maître mot, c'est de leur dire qu'il faut croire en ce que vous faites et il faut toujours, n'est-ce pas, chercher à gagner, mais ne pas faire de bons matchs seulement. Parce que faire de bons matchs et ne pas gagner, le résultat après ça ne sera pas sûr. Donc, ce qui est important, c'est surtout de faire un bon match et de gagner. Waouh, Djangat mérite d'abord de me sentir à l'aide de l'engrem. Tel est le noir ni liguer encore des nerfs noirs au corps ni liguer l'une des ni nous gagnent liguer encore nous gagnent farlo. Maintenant, si match bi, les matchs de Djangat moi, gis nerfs ni à l'aide. Liñ lañ doon wax ci envie bi ci bëgg-bëgg bi ci engagement bi ci joxe sen bop outil victoire bi def nañ ko mais amna lu dess parce que match bi nuñ ko démarré baxul parce que bëgg nañ bo nekké à domicile match bi nga démarré ko à Touba parce que tay ci 5 minutes yi bu Dakar Sacré Cœur dugoon duñ am luñu wax té match bi dina doon mel nenen ba taxna nañ gëna accentuer ligue bi ci nuñuy duggé ci match bi pour ñu tél ci dugga nga xamné adversaire duñ ko may confiance. Donc, lolu modeste et dinañ ci liguey bu baax ak ñom pour ñu gën ci nek nga xamné duñ am problème ci démarrage match. Gis nañ benen équipe bu Casasport la mo changer ci mental. Waaw, li changer yakarna ci travail mental bi la parce que wax nañ leen ni ci match yu muju def nañ ay match yu baax ba ñepp contane mais gagnew ñu. Donc tay li ñu wara def moy def tout pour gagner parce que lolu moy marquer match bu baax bi parce que bo défé match bu baax té gagnew lo duñ ko bind fenn té du affiché wu fenn. Donc fumi afficheré mo il faut nga gagner té amna ñu yaakar luñu leen wax nonu taxna bañu fippu ba joxé li nga xam do luñu joxé tay donc dañuy konné ci ligéy bobu nonu travail mental bi ba nga xamné ñom seen bop dañuy xamni ligéy bi du def match bu baax rek mais def match bu baax ba par gagner wala même def match bu baaxul mais nga gagner parce que après bu ci gëna compter moy bi nga duggal donc ci loolu lañuy gëna accentuer ligéy bi encore 33 ans 29
Waaw ba légui luñu administration bi wax comme objectif ci loolu lañu nek moy lan nek ci tableau bi té ba légui c'est possible donc ñun suñu liguey moy luñu sante ñu jëm egg fofu nonu té ci liguey bobu lañu nek amna ñu yaakar ni ci sud type lancer buñu nek ni buñ ci continuer té waccu ñi ci dañ fa egg. Merci. 5-0, un score inhabituel, une prestation des grands jours, début d'anthologie. C'est en somme ce qu'on peut retenir du match qui a opposé ce dimanche le Casasport à l'équipe de Dakar Sacré-Cœur. Une domination totale et sans partage de l'équipe Fagnon de la Casamance, avec une mention très spéciale au jeune Ethan Tendin qui a ébloui le public du stade Aline Sutoediata d'une sublime réalisation à la 43e minute pour le 2-0 de la rencontre. Ousmane Diouf sur penalty provoqué par le jeune Lamine Diéyou pour le 3e but, puis la réalisation d'Abdoulaye Kassama qui venait de rentrer dans la partie pour le 4e but, avant que le jeune Lamine Diéyou, d'une frappe sublime et intelligente, vienne sceller le score à 5-0. Un score qui réjouit le coach Ansoumana Diadou qui évoque une montée en puissance de son équipe. Bon, je pense que c'est depuis presque 5 matchs que nous avons vu une autre équipe du Casasport. Aujourd'hui, le discours c'était ce n'est plus de faire de bons matchs, c'est de gagner les matchs. Et c'est sur ça qu'on a insisté. Et nous avons vu que les jeunes, les joueurs ont respecté cela parce qu'ils se sont dit que ce n'est pas le moment de faire de bons matchs. Ils ont fait des matchs nuls. On est pratiquement les champions des matchs nuls. Et qu'aujourd'hui, il fallait tout faire pour gagner et chercher encore à gagner d'autres matchs. Je pense que c'est sur le plan qu'on les a vraiment heurtés. Et vraiment, ça a donné un résultat positif aujourd'hui. L'objectif reste et demeure d'être sur le podium. Et je pense que jusque-là, c'est possible d'être sur le podium. Et nous allons continuer à travailler pour être à ce niveau-là. Parce que quand l'administration fixe un objectif, je pense que nous, notre travail, c'est de tout faire pour atteindre ces objectifs-là. Maintenant, après, on va attendre et écouter l'administration. Malgré la lourdeur du score, les académiciens de Dakar Sacré-Cœur ont gardé une sérénité surprenante et ont toutefois essayé d'apporter la réplique sans succès. L'entraîneur pointe du doigt à la jeunesse de sa formation. David Lauberti, directeur sportif du Dakar Sacré-Cœur. Le score est lourd, mais il reflète la différence qu'il y avait cet après-midi entre les deux équipes. Une équipe mature, agressive, sûre de son football, en confiance. Et une équipe avec des jeunes joueurs qui n'est pas dans une bonne période, qui doute un peu, qui est un peu fébrile. Et à partir du moment où on a concédé l'ouverture du score, c'est devenu très difficile. Le public a poussé son équipe, on a vu que voilà, ils étaient dangereux pratiquement à chaque situation, et nous on a manqué de caractère, on est très très jeunes, donc on manque un petit peu de leader, et plutôt que de réagir, on a baissé la tête, et le deuxième but juste avant la mi-temps, le troisième juste après, on scellait le score du match. Donc voilà, c'est une victoire qui est très difficile, vous en doutez, pour nous, parce que c'est la première fois jusqu'à il y a 15 jours, on avait perdu par un but d'écart maximum. Là, on vient de prendre 3-0 à Pékin, 5-0 aujourd'hui, donc ça fait beaucoup. Mais voilà, on veut laisser le club en Ligue 1, il y a des jeunes joueurs à gros potentiel, ils ont besoin d'être encadrés. Le champion des matchs nuls au nombre de 11 cette saison a-t-il enfin signé la fin de cette phase dans ce championnat de Ligue 1 professionnel? La question aura sa réponse après les prochaines sorties de l'équipe dirigée par Sidou Sané. L'OIT NC s'impose.